cancer assassine notre belle nation. Un cancer qui empoisonne nos esprits, corrompt nos enfants et annihile notre économie. Un fabricateur de nos têtes et de qui empoisonne notre esprit et qui détourne de notre prévue l'avenir. C'est bien parmi vous affirme que ces livres apportent une connaissance bienvenue. Et moi je leur réponds que si dans le passé nous avons fait des erreurs, il n'est nul besoin de les consigner pour les répéter. Par le brigadeur de mon être et ses livres qui empoisonnent notre esprit et qui détournent de notre prévue l'avenir. Alors je te demande, allons-nous nous laisser faire? Moi je réponds non.